Dis donc, la fin, c'est un truc de ouf. Malade mental, va. Coucou les amis, c'est le Blédard, j'espère que vous allez bien. Ouais, le pas de culotte, c'est un truc de ouf. Wouh, il y a du courant d'air quand même. Elle est malade celle-là ou quoi? Non, madame, ça se fait pas, madame, ça se fait pas du tout. Regarde qui... Non, c'est pas bien. Bon, aujourd'hui, on doit buter deux personnes. Silvio Berlusconi, mais bien sûr, et Francesca T. Merkesis. Oui, c'est des noms que j'ai inventés, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Malade ou quoi celui-là? Il faut rentrer ici, tu vois. Il y a 28 manières de buter les gens. 28 manières. Les mecs, c'est des professionnels. Pas moi. Moi, je suis un amateur. Première manière, on va buter d'abord ce livreur-là. C'est un mec qui va livrer des fleurs, sauf qu'il a fait un accident. Bah, wouh! C'est un barbecue ou bien c'est un moteur, ça? Ça dégage. Je te maîtrise, Arroyé, je te maîtrise. Je te déglingue. Ils auraient dû mettre déglingué au lieu de maîtriser. Ça aurait été bien. Je suis sûr, il fait semblant. Mais il est mal là-dessus, là, quoi. Regarde, il s'est levé. Regarde, il s'est levé. Sans moteur, c'est parce que c'est en Italie, c'est pour ça. Toujours des simulateurs, c'est un truc de ouf. Comment ça, identité compromise? Rien du tout, frère, on a rien compromis du tout. Quoi, c'est déguisé? Mais on va pas se déguiser en cycliste quand même, ça se fait pas. Eh, voilà, beau gosse en cycliste, je te jure. La marque Uzumaki. Je connais pas c'est quoi Uzumaki. Ah, ma tête, ça fait mal un petit peu contre l'herbe. T'inquiète pas, Roya, ça va bien se passer. Regarde, hop, on va bien te cacher, regarde, hop. Mais c'est pas caché, ça. Ça, c'est jeté. Ah, je sais faire la différence quand même. Il est fou quoi celui-là? T'as voulu aider un pauvre innocent? Ben oui, bah tu vas mourir, c'est tout. Caché. Hop, voilà, par contre on va pas garder le truc de cycliste, ça sert à rien. On va reprendre le truc de livreur. Voilà, tranquillement, déplacé, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Et on va récupérer en fait le bouquet de fleurs. Le Silvio Berlusconi là, il y a une tombe dans la villa. Et à chaque fois il dépose un bouquet de fleurs. Donc c'est ce que je vais lui livrer. Un bouquet de fleurs. C'est bien qui suis. Toi t'es un petit filou. Mais le problème, hey, c'est que dans mon inventaire... Ferme-la, Serpé, je vais te déglinguer avec ton chapeau. Le problème, c'est que dans mon inventaire, il y a des armes. Eh ben ouais, enfin, il y a surtout celle-là, tu vois. Donc, je pourrais pas rentrer par là. Ben oui, sinon il va me déglinguer. Tu suis ou pas? Tu suis, ça fait plaisir. Donc, je vais rentrer sur le côté. Ici, il y a une porte. Voilà, mais que je dois déverrouiller avec une carte. Que je n'ai pas. Mais par contre, ce hamard de cuisinier. Regarde, crotte de nez et tout. Il m'a jeté la cigarette. Ok, c'est cette provocation, ça. Ça, quand un cuistot italien te jette un truc dans la gueule, c'est que c'est mauvais signe. Bonjour! Ça va ou quoi? Wouh! Le coup du lapin, ça va sur le côté, bah bien sûr. Ok, donc je prends la carte d'accès du manoir, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Et puis c'est tout. Je pense qu'on peut se casser maintenant. Allez, salut! Voilà, nickel. Je glisse la carte. Allez, ça dégage. C'est marqué quoi? Solo in this penty. Ah bah tout est quoi, anti? Bah bien sûr. J'ai échappé à ces deux gardes. Waouh, allez garde. Vous êtes vraiment des cons, je te jure. Wouh, c'est ma voiture, putain, je me disais où est-ce que je l'avais garée. Chaque fois j'oublie. Salut mec. Comment tu vas? Hey hey. Bonjour. Parlez. Ah, c'est le majordome. Ah, excellent. Ouais. Sur la table. Ah, quoi, sur la tombe? Ouais, en fait, c'est la mère de... C'est la mère de Silvio Caruso. Silvio Berlusconi, bah, bien sûr. Allez, on va se diriger vers la tombe. Franchement, elle est belle, la maison. Waouh! Tout est déclaré là-dedans, les tableaux et tout. Eh, bah, beau gosse. Ah, franchement, certains, quand ça paye le trafic de magasins. Bonjour. Eh, ouais, mais c'est de bas en haut. De bas en haut. Voilà, nickel. Elle est malade, celle-là, ou quoi? Hey, 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 Abdelzak avec le fusil à pompe. Eh ben, eh, franchement, psatique la moustache, beau gosse. Ça, ça lui va bien, je trouve. Hein, là. Ah! Il est là! C'est lui la cible! Oh, toi, tu sais pas à quel point je vais déglinguer, tu sais même pas, Roya! Psatique les boîtes! Voilà, HM et tout! Ok, ça passe. C'est ici la tombe de Madame Caruso. On va déposer les fleurs délicatement et on va attendre qu'il se ramène. Et pendant ce temps-là, on va prendre un marteau. Ben, bien sûr, à sa vie. Un tournevis. Pas pour faire du bricolage. Pas du tout. Attends, je prends une pelle, on sait jamais. Peut-être que des fois il faut creuser, tu vois. BOUM! Tu meurs! Je pourrais être seul 2 minutes. Oui! Laissez-le par... Oui, allez-y! On va bien discuter, c'est le moment. Ta mère! Voilà! Il est pas encore mort. Là, il est juste assommé. Il est juste assommé, d'accord? Donc là, on va lui briser le cou, tel un petit lapin. Ben, bien sûr. Voilà, nickel. Toi, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Voilà, ça dégage. Ensuite, je vais faire disparaître son corps. Je te jure, je vais le déglinguer. Regarde, regarde. Caché. Mais ils savent pas que... C'est pas caché, ça, c'était caché. Bon ben, reste plus rien, ça fait plaisir. Maintenant, faut que je sorte de la maison et que j'aille rencontrer Francesca. Francesca de Merkesis. Et pour cela, je vais me faire passer pour un détective privé. Et vous allez voir comment ça va se passer. Voilà, chauffe les mollets qu'il a. Là, là, les mollets avec les chaussettes. Beau gosse. Pardon, je ne fais que passer. Continue à faire la serpillère, toi. Voilà, nickel. Le majordome, à bientôt. Prends soin de toi. Passe le bonjour à ta femme, ça fait plaisir. Ok, nous, on se casse. Voilà, un petit footing. Bah oui, un petit footing, ça fait plaisir. On va ressortir par exactement là où on est rentré. Je parle de la porte. Attention. Hop, tu glisses la carte. Bah, bien sûr, et on se casse. Voilà. Parfait. Personne nous a vus.
Nous sommes comme des petits écureuils tapissés dans l'ombre. Bonjour! Je viens pour une petite coiffure. Je sais que j'ai pas de cheveux, mais on sait jamais, tu vois. Le détective privé de Milan. Eh ouais, tu vois, il y a un détective privé qui traîne dans les rues. À quelques rues d'ici, il dormait sur un banc. Mec, c'est un clochard, c'est pas un détective. Il est malade celui-là ou quoi? Il est juste là, mais j'ai jamais réussi à le buter. Je te jure, non, mais je vais être franc avec toi, je te jure, c'est... si je réussis là, c'est un miracle. Voilà, voilà, voilà. Au calme, voilà, nickel. Il entre, il parle au téléphone. Quelques problèmes à régler, d'accord. Oui, je viens d'arriver en ville. Mais bouge-toi, qu'est-ce que tu veux, ma photo ou quoi? Sur la jetée. Oh, ils vont se rencontrer sur la jetée. D'accord, inutile de perdre plus de temps. A tout de suite. Yes! Je vais le rencontrer. Donc lui, je dois le buter. Procurez-vous la tenue du détective. T'inquiète même pas. Ah, il va aux toilettes. C'est bon, il va mourir. Il va bien mourir même. Oh, laisse tomber, je vais le fracasser de ouf. Oh là 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 là, laisse tomber. Zdouf! Tu meurs! Boum, on le met ici, voilà. Retrouvez des santé sur la jetée. Ok, pas de soucis. Wouh, détective privé, c'est moi. Mais bien sûr. Hop, toi tu dors, t'as rien vu du tout. Allez, continue à dormir. Ok, c'est bien. Tu dors bien avec des claquettes en plus. Eh bah putain, mon vieux. Francisca de Merguezis, j'arrive. T'inquiète pas, je vais bien te fracasser. Détective privé, c'est moi. T'es ma wesh! Ouh là là, comment je me sens bien, ça fait plaisir. Oh, Zamel, il a des pecs. C'est des pecs que t'as? Vous passez de la crème solaire, madame? Non, pas du tout. Ok, mais t'es déjà bronzé, je sais pas pourquoi tu vas encore bronzer, ça va pas du tout. Hey, hey, Booba à la plage et tout, psartek, hein. La glace et tout, c'est même pas une glace que t'as, frère, c'est un truc de ouf. Ok, c'est juste là. Elle est là. Elle est là. Ça va être tendu de ouf. Je sais pas comment je vais faire pour la buter. Franchement, je sais pas. Oui, bonjour. Bon, bah, je vais vous parler alors. Mr. Falcon. Vous n'avez pas l'air tout à fait à votre place. Si, ça va bien. Marchons un peu, il y a trop d'oreilles vagabonds. Oui, très bonne idée, bien sûr, on va bien marcher. Non, pas le garde. Non, casse-toi, toi, j'ai pas besoin de toi avec ta chemise hawaïenne là. T'as rendez-vous avec qui? Avec moi ou avec lui? Ça va pas la tête? Laissez-moi tranquille. Madame. Mais pourquoi il la suit comme ça? Mais il est con celui-là ou quoi? Voilà. Voilà, là on pourra bien discuter si tu veux. Je vais bien te fracasser, t'inquiète même pas. Zdouf! Boum! Je le brise le cou. Voilà, je la déplace. Je la mets ici. Voilà, lourd. C'est bon, on a réussi. On prend la carte de l'accès au laboratoire. Lourd! Franchement, ça fait plaisir. Maintenant, il faut trouver le laboratoire. Je sais pas, il est où le laboratoire, c'est ça le problème. C'est quoi, c'est une attraction. Ouais, hey, il est bourré. What? Mais il fait quoi, lui? Hey, Booba, toujours en train de manger ta glace? Ah, d'accord, c'est... Hey, hey! Oh, les abdos qu'il a, c'est un truc de ouf, comment il s'est relevé, c'est d'œuf. Hey, hey, je suis dans une église et tout. Comment ils sont concentrés de ouf. T'es ma wesh. Ah, sauf, t'es sérieuse, elle est sur son téléphone, elle. Ah ouais, lourd, comment... Ah ouais, toi t'es en mode bien ou quoi, tranquille. En mode posé, quoi, ça va ou quoi, pépère, ça fait plaisir. Yo, ma belle, comment tu vas? Non mais sérieux. Oui, bonjour, au revoir, non, je me casse. Bonjour. C'est quoi ce délire, là? D'accord, on peut rentrer ici? D'accord, bon, bah toi, déjà, je te maîtrise au calme. Voilà, tu restes tranquille. Voilà. Nickel. Attends, non. Je vais faire ça, je vais le déplacer. Il n'y avait pas une clé? Ah, voilà. Clé. On utilise ça. Voilà. Il y a quoi, en fait? Il y a quoi derrière, en fait, la porte? C'est quoi, ce délire? Ah! C'est une morgue! Ah, lourd! Déguisement de laboratoire. Oh, c'est bien. Technicien de laboratoire. J'ai pris son déguisement, ça fait plaisir. Oh, le couteau de cuisine. Bah, bien sûr, c'est pour moi. On sait jamais s'il faut aiguiser des kebabs, tout ça. Non, on peut se cacher ici? Pour de vrai? Mais c'est morbide! Mais non! Ça se fait pas de faire des trucs comme ça! Eh, mais c'est des malades! Bon, maintenant, faut que je trouve le laboratoire. J'ai la carte et tout, faut que je trouve juste le laboratoire, s'il vous plaît. Monsieur, c'est où le laboratoire? Là-bas? Ok, merci beaucoup! C'est bon, il m'a dit c'était où? La 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 la! Je fais mon petit jogging! Je fais des trucs de fou pour trouver le laboratoire! Non, j'ai pas le time, frère, désolé. Attends, je peux rentrer par là ou pas? Là, je peux rentrer? Se faire fouiller? Non, j'ai beaucoup d'armes, en fait. Je pourrais pas... Non, j'ai pas mal d'armes qui piquent. À moins que je les lâche là. Voilà, je lâche ça. Voilà, nickel. Merci beaucoup. Voilà, on lâche tout ça. Je pense que c'est bon. Le ciseau, c'est pas bien? Le ciseau? Ok, on lâche tout. La corde à piano, ça passe. C'est bon. Ah! Ouh! Ça chatouille. Aïe, ça chatouille. Ça me chatouille. Arrête, tes conneries. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. À bientôt, messieurs. Bisous. Enfoiré, va. Tellement con. Bonjour. Je cherche le laboratoire. Ça va. Je vais bien. Merci beaucoup. Hein? Hein? Quoi? Comment ça, you're not allowed to be here? Ah, d'accord. On n'a pas le droit de rentrer. Fallait me le dire. Oh là là, il m'a fait stresser de ouf. On peut rentrer par là, peut-être, non? Il y a un laboratoire ici? Ah, ouais. Je crois que c'est par là, ouais.
Ah ouais, il y a quoi ici? Bonjour. Bonjour. Y a quelqu'un? Ah, c'est des toilettes. Ok, il y a beaucoup de toilettes hein, dans ce stage, c'est un truc de ouf. C'est toilette simulateur ou quoi? C'est quoi, c'est un plombier lui? Je sais pas si c'est un plombier, mais en tout cas j'ai bien envie de le déglinguer quoi. Oh! Oh! Au moins j'ai une arme, ça fait plaisir. Mais là c'est les égouts frère, je m'en bats les steaks, moi je veux le laboratoire. Ah! C'est bon, j'ai trouvé je crois. Ouais, j'ai trouvé. Par contre, le tuyau ça passe ou pas? Non, attends, je vais déposer le tuyau. Je vais déposer le tuyau. Je sais pas si il va considérer ça comme une arme. Donc, autant ne pas prendre des risques. Arrêtez! Ouh! Ça me chatouille! Ça me chatouille! Arrêtez! Oh, mince alors! Eh bah, mon vieux, franchement, j'assure du ouf. Voilà, je suis jamais. En fait, je suis professeur, mais j'ai jamais visité mon propre laboratoire. Comment ça se passe exactement? Il faut que j'élimine un virus. Ok, d'accord. Wow, wow! On dirait la cave de Batman! Ah, par contre, il y a un collègue qui peut me regarder. Oh là là! Ouh, c'est chaud de night! C'est trop chaud de night, lui, il peut me reconnaître. Ok. D'accord. What? Putain, tu m'as fait peur, toi, c'est un truc de ouf. C'est quoi ça? Entrez. Je le déglingue ou pas? Est-ce que je le déglingue à votre avis? Bien sûr, Assam, bien sûr. Je vais descendre par là-bas, j'ai vu qu'on pouvait y accéder. Ah ouais, ok. C'est bon. Bonjour! Je suis le professeur de Merkès. Comment allez-vous, mes élèves? Ah ouais, c'est là-bas que ça se passe. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, voilà, exactement, ouais. Voilà, exactement. Voilà, voilà, voilà. Vous n'avez rien vu du tout? Oh là, toi, t'as vu quelque chose, toi? Non, t'as rien vu du tout, toi. On passe par où, là? Ils vont tous me reconnaître? Ah, pas toi. Non, ne me regarde pas. Ok, elle peut me reconnaître. Ok, rip. Ok, je me camoufle. Oh, bah oui, alors, au niveau des molécules, il se passe vraiment un truc de ouf. Ah oui, c'est vraiment très... Oula, non, voilà. Oui, elle peut me reconnaître. Putain, je suis en train de transpirer de ouf. Plus comment t'es moche. Ok, donc là, on se cache. Vite, dépêche-toi, rentre. Voilà, nickel. Voilà, on prend la combinaison. Dépêche-toi. Lourd. C'est bon. Ouf. Il m'a fait peur. Truc de ouf. Ok, c'est bon. Maintenant, je suis dans le tuyau. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? C'est le professeur des mer... Wow. Beau gosse. C'est bon, je suis décontaminé. Ok, très bien. Maintenant, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Là, dans le conteneur scellé, le prototype du virus. Ah, c'est ici. Ah, d'accord, ok. Ah bah, c'est bon alors. C'est bon, c'est réglé. Ah merde, non, c'est pas réglé, non. Non, c'est pas réglé du tout en fait. Ah, rip. C'est bon, j'ai activé le virus. A bientôt. Non, mais j'ai pas le time. Comment ça, je suis pourchassé? Mais j'ai rien fait du tout, moi. Regardez, hop, c'est même pas moi. Non, mais j'ai rien fait du tout, moi. Non, mais c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Ça dégage. Voilà, tu n'as rien vu du tout. Hop, je t'assemble, bien sûr. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Mais tu es malade ou quoi? Ça dégage. Trop guillotin, me rigole avec toi. Zduf. Allez, on dégage. Localiser la sortie, voilà. Ouais, car washing, tout ça, ouais, j'aime bien ça. Voilà, pardon, mais c'est pas moi du tout. Non, mais c'est pas moi du tout. Tu bouges. J'ai pas le time, Masabi, j'ai pas le time. Oh, comment je les déglingue, du ouf. Allez, bim. Pardon, c'est mon petit jogging. A bientôt, salut. Lourd. Bah bien sûr, malade mental, je les ai déglingués. La puissance des dents de la femme, bien sûr. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, comme ça on se dit à la prochaine. Salut.